D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc aujourd'hui, petite nouvelle vidéo, on va faire quelques attaques de guerre de clan. Donc là aussi, au niveau du tournoi, j'ai perdu. Je suis même pas ici, je suis tout en bas, je suis ici. Donc voilà, j'ai fait 6 victoires et 5 défaites. Donc voilà. J'ai récupéré quelques récompenses, mais sinon rien de plus. D'ailleurs, pour le concours, n'hésitez pas encore une fois à participer, à liker, à commenter, à partager la vidéo. Mettez « je participe » en commentaire, à liker la vidéo, etc. Et donc, si vous voulez des j'aime gratuitement sur Clash Royale, sur Brawl Stars ou sur Clash of Clans, vous avez un lien en description pour vous aider à avoir des j'aime gratuitement. Donc, alors pour la vidéo, j'ai un coffre à ouvrir, je crois. On peut toujours pas l'ouvrir. Comment ça se fait? Le 10e, le coffre, on peut pas l'ouvrir pour l'instant. Ah si, je peux l'ouvrir, ok. Ah, je peux aller jusqu'à 19. Ah bah ok, c'est cool ça. Je pense qu'on ouvrira notre coffre à la fin. 3 gemmes donc, 62 géants royales, 11 sorciers et une épique pour finir une armée de squelettes. Ok, là, petit coffre en or qu'on ouvre. On a 5 guérisons à la fin. Ok. Donc là, si je monte à... Oh bah tiens, ok, bah on a un coffre magique à ouvrir, c'est parti. C'est screen, allez. Pour la minia peut-être. 1500 d'or, un géant royal. 25 gangs de gobelins, 39 barbardites, un boliste, 19 séismes, et une légendaire magnifique. J'ai eu une légendaire au début, dans la première carte j'ai eu une légendaire, je me suis dit bon, peut-être. Et donc là, 8 golems, et on a une légendaire, donc j'ai fait un petit screen, et on a, ouais, on a. Je fais un autre screen, évidemment. Oh, yes, parfait. Petit screen. Donc là, il m'en manque plus qu'une seule. Plus qu'une seule et je la passe au niveau suivant. Donc voilà, vraiment, si vous voulez des coffres, ouvrir pas mal de coffres et du coup avoir des gemmes gratuitement, vous avez encore une fois le lien en description. Donc voilà, et surtout n'hésitez pas pour ouvrir ce genre de coffre, c'est vraiment parfait pour avoir des petites légendaires. Donc voilà, petite princesse, il me manque plus qu'une seule et je la passe au niveau suivant. Donc ça coûte 50 000, donc je vais garder mon or, hein, écoutez, je vais garder mon or et là bah, je vais essayer de demander une princesse. Je crois que je peux, non je peux pas, si je peux, ouais. Donc là, plus une, hop, 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 et hop. On va peut-être le commenter en vidéo, on verra. On verra. Donc là, on va attaquer les gardes de clan. Enfin, on va attaquer les gardes de clan, on va faire les gardes de clan. Il me reste deux attaques. J'ai première attaque, parfait. J'ai fait 3-0, il me semble. Donc j'ai récupéré pas mal de cartes. Donc là, j'ai un royal. Oh là, je sais pas. Ouais, gargouille. Donc ouais, j'ai récupéré pas mal de cartes, donc ça c'est cool. Petit gargouille, gobelin, et on est parti. Donc là, il m'a donné un petit molosse, il m'a donné un petit sorcier de glace. Donc s'il m'a donné le molosse, c'est qu'il doit avoir, je pense, en face, pas le ballon, il doit avoir, qu'est-ce qu'il y a comme carte? Le golem, je pense, il doit avoir le golem, il m'a donné aussi un petit barbare là. Un petit fuit de barbare, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, fuit à barbare. On va le mettre ici, écoutez. Hop, là par contre j'ai rien. On va mettre ça là. Hop. Oh, ouais, par contre là à droite. Par contre à droite là. Oui, oui. Aïe, 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 aïe. Petit fuit de barbare que je positionne. Nickel. Donc voilà, j'ai fait pas mal de dégâts à droite, mais bon, il en a fait beaucoup plus que moi, lui, donc il est plutôt bien parti. Et je pense qu'à ouais, droite, on va laisser. À droite, on va laisser la... On va laisser la tour tomber, c'est pas grave. Et on va essayer d'avoir la tour de droite, si possible. Ouais, le fuir barbare, là, ça sert pas à grand-chose. Mais je pense qu'on a, la tour, là. Par contre, je suis à 10 élixirs, donc j'en profite. Hop. Petit gobelin à lance qu'on met ici pour défendre. J'ai un royal qui a pas fait beaucoup de dégâts. Je pensais qu'il allait faire plus de dégâts quand même. Donc là la tour descend à 300. Ouais c'est bon, on a la tour je pense. 186 points de vie, non, on n'a pas la tour encore mais bon, quasiment. Quasiment. Hop. Hop. Et là c'est assez serré quand même. Hein.
c'est assez serré parce que là j'ai la tour à droite, pardon. Je vais avoir la tour à gauche. Il reste 1 minute. Hop. Oh, par contre là. Aïe. Aïe. Mince, j'aurais pu faire 2-0. Dommage, enfin 2-0. J'aurais pu faire 3-2 là, du coup ça fait 3-1. Game assez serré, ouais, game assez serré, mais bon. Donc la petite épique, petit chevaucheur de cochon. Dommage là, ouais. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait celle-là? Deck classique. Balle des sapeurs. Allez, balle des sapeurs, c'est parti. C'est sympa ça, ça change un petit peu. Donc on fait ça. Alors. Ok, donc là je mets la princesse tranquille pour défendre un petit peu. Lui il a mis des archers. Il a mis aussi un bombardier. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'en profite pour mettre les barbares à droite. On va mettre les garous à gauche si on peut. Nickel. Le bombardier a même mis un petit coup, oui, mais bon, je pense que ça va aller. À droite, parfait. Ça fait un petit peu de dégâts. Les gargouilles à gauche aussi, c'est parfait. Un petit peu de dégâts également. On en profite. Hop. Mince, les flèches sont arrivées beaucoup trop tard là. Les flèches sont arrivées beaucoup trop tard, c'est dommage. Donc là, à gauche, c'est vraiment pas mal. La tour qui est à 400 points de vie. À droite, 400 aussi, donc ben nickel. Écoutez, pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, on est très très bien, donc tant mieux. Hop, bien joué là. J'ai eu la tour à gauche. Enfin, gauche à droite, lui, il a la tour à droite, donc là, c'est bien joué de sa part. Hop. Voilà, j'attends un petit peu. Hein. Enfin, j'ai rien pour défendre. J'ai rien pour défendre. Donc là, de partout, c'est serré. C'est vraiment serré là. C'est très très serré. Le ballon qui va toucher. Ouais, je pense que c'est bon là. Avec le ballon, j'ai la tour. Nickel. Il a raté son zap. Mais donc ouais, c'est assez serré là avec le petit bal des sapeurs. C'est vrai que c'est sympa. Ça me change un petit peu. Ça change un petit peu des games normales. Donc voilà, là on récupère. Bon, ça fait deux victoires et une défaite. Une petite bûche. Bon, la bûche, c'est pas non plus extraordinaire, mais bon. Ok, donc là on va partir attaquer, on a un petit peu de temps à partir attaquer. On va essayer de récupérer, donc je crois que j'ai 6 couronnes. Ouais, il faudrait que j'en ai. Non, j'ai plus que 6 couronnes. Normalement j'en ai plus que. J'ai plus que 6 couronnes. Normalement j'ai 3. J'ai 4 couronnes normalement. Normalement je peux ouvrir un coffre, si je me trompe pas. Vu que j'ai eu 3 étoiles, plus. Enfin, j'ai eu 3 couronnes plus une autre couronne. Normalement je peux ouvrir un coffre là, juste après. Alors, contre un niveau 12, apparemment, qui n'a pas de clan, donc je pense qu'il s'est connecté il n'y a pas longtemps. Enfin, qu'il s'est reconnecté sur Clash Royale il n'y a pas longtemps, plutôt. Donc là, petit géant à gauche. On va faire un petit géant ballon, tranquillement. Petit smiley. Alors, ballon, gargouille, je sais pas. Ok, gargouille. On tente gargouille parce que le ballon, je pense qu'il est, il va aller directement. Oh, c'est pas mal, ça c'est bien joué. Ok, bon, le ballon. Le pardon, le géant est mort. Donc là, dommage. Ça c'est serré pour l'instant. Ok, mes barbares vont tomber là face à la mousquetaire niveau 11. Est-ce que je mets la princesse? Il met vraiment beaucoup de troupes pour défendre mes. Pour défendre mes barbares. Il met vraiment beaucoup de troupes. Et donc ça c'est pas mal pour moi. Comme ça j'ai pas mal d'élixir. Et comme ça j'en profite pour faire un petit
J'ai un ballon, tout simplement. Voilà, parfait. Ok, il remet encore une mousquetaire et il met aussi un petit truc de neige là, je sais plus même comment ça s'appelle. Ça s'appelle un... Je sais plus le nom, tiens. Petit zap de neige, comme ça. Ouais, zap de neige, moi j'appelle ça comme ça. Ça s'appelle... je sais même plus le nom, tiens. On va regarder juste après, tiens, le nom de... Hop. Et hop. On repart sur un... J'ai un ballon. Moi, je sais même plus le nom, ça s'appelle un... Zap de neige, enfin, je sais plus. Bref, on regardera après. On regardera après... Oh. Je sais que c'est le nom, je sais que c'est deux glaces, mais deux je sais pas quoi. Deux je sais pas quoi, donc bon. Est-ce qu'on tente plutôt un deux étoiles plutôt qu'une étoile? J'ai envie de tenter. Par contre là c'est chaud. Mince. J'aurais dû lancer les flèches quasiment en même temps pour faire 2-0, mais du coup, vu qu'on était en temps additionnel, je n'ai pas pu. Donc oui, ça s'appelle, donc, on va regarder juste là, ça s'appelle le petit truc là, Esprit de glace. Voilà, j'avais perdu le nom, tellement je joue peu. Donc là, on ouvre un petit coffre, et puis voilà, donc là, on va se préparer pour la guerre de clan, du coup, ça commence demain, donc voilà, tout simplement. 1000 d'or, 2 gemmes, 6 zaps, enfin, électrocution. Gang de gobelins, PK, et pour finir, donc 12 mousquetaires. Ok, petit coffre, donc le prochain, il est accessible dans 15 heures, ok, on a un petit peu de temps. Attendez, je regarde juste si je peux acquérir ceci là. Donc il faut le passe royal. Passe royal, ça coûte combien? 5 euros. Bah écoutez, pourquoi pas, on verra. Donc voilà pour cette vidéo, quelques attaques, et puis tout simplement, voilà, on espère gagner la guerre, parce que là en plus on a perdu, on arrive les derniers dans cette guerre là. Pour l'instant, on a combien de points au niveau de la guerre? On a 638 points de guerre. Donc, c'est pas extraordinaire. Mais bon. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao!